Allez, salut les gens, toujours sur House Gaming et toujours sur l'aventure Blackrock. On s'attaque maintenant au deuxième boss, le général Drakisat, qui est le boss de fin du BRS à la partie haute du pic de Roche Noire. Donc, ce petit boss, regard intense en pouvoir héroïque. Toutes les cartes coûtent 1 cristal de mana. Vous êtes limité à 2 cristaux et l'adversaire à 1. Donc bien sûr, c'est lui qui aura 2 cristaux et c'est nous qui aurons un seul cristal. Donc lui pourra faire 2 actions contre nous, une seule. Donc, pour battre ce boss, je suis parti sur un deck prêtre. Un deck prêtre qui va me permettre notamment d'avoir contrôle mental excessivement fort pour ce fight. Puisque lui va poser 2 créatures quand nous, on va en poser une. L'avantage du contrôle mental, c'est que ça ne va coûter que un point, un cristal de mana. Donc on pourra l'utiliser lorsqu'on le souhaitera. Et bien, en plus d'avoir une créature sur le board, ça lui en retirera une. Donc c'est vraiment la carte importante. Parce qu'il y a d'autres cartes, voilà, on peut très bien poser d'autres cartes très très fortes, des 8-8 que vous voulez. Mais lui aura toujours 2 cartes sur le board. L'avantage vraiment voilà, de ce contrôle mental, c'est qu'on lui en retire une tout en ajoutant une carte à notre board. Alors là, si vous voulez, vu que toutes les cartes ne coûtent que 1, il vous suffit simplement de regarder la curve, hein, j'ai 24 cartes à 7. Là, j'y suis un petit peu allé en mode no brain, et puis c'est passé sans aucun problème. Donc là, eh bien, comme vous le constatez, on n'a que des créatures très très fortes. Moi, je vous conseille simplement de mettre vos créatures les plus bourrines. Tout simplement, vu qu'elles ne vont coûter que 1. Vous mettez du géant de là, vous mettez géant mécanique, enfin, tous les géants possibles, hein, vous voyez, hop. Vous calez, pourquoi pas, deux contrôles mental. Normalement, vous devez avoir ça, donc du coup, ce serait des contrôles mentaux, je pense, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous devez avoir ça très facilement dans votre jeu. Là, j'ai posé des créatures, très honnêtement, Ragnaros, par exemple, je trouve qu'il n'est pas intéressant. Je l'ai mis parce que voilà, j'avais pas forcément d'autres créatures. J'aurais pu partir sur des créatures beaucoup plus intéressantes. On va taper légendaire. Et puis là, on va constater simplement que des cartes sont beaucoup plus adaptées. Si vous les avez, n'hésitez pas. Lui, je ne l'ai pas. Bon, même si c'est pas ouf. Voilà, des cartes comme Grul, c'est excellent. C'est une carte bof. Mais dans ce combat-là, elle est au top. Elle va gagner des points de vie et des points d'attaque en plus à chaque tour. Le faucheur, qui est excellent lui aussi, un 9 PV. Donc, il pourra même aller taper des créatures à 8 d'attaque. Mais là, comme on le constate, dès qu'il met un coup, hop, il fauche ceux qui sont à côté. Donc, c'est vraiment des cartes qui sont excessivement fortes. Pourquoi pas aussi le vieux déchiqueteur de Sneed. Là, si vous avez Eldemort, bien évidemment, n'hésitez surtout pas. Il ne va... détruire tous les autres serviteurs et vous défausse de votre main. Bon, faites attention quand vous jouez, mais je veux dire, je pense que lui a sa place dans le deck. Et ainsi que lui aussi. Hein. Toutes celles qui tapent à 8, 9, de toute manière, il ne faut pas hésiter. Après, tout ce qui est Isera, etc., on va éviter. Lui aussi, j'ai envie de dire bof, parce que franchement... elle va remplir le board de 1-1, même si vous allez prendre un choc de flamme immédiatement derrière. Tiens, bah regardez, lui par exemple, je ne sais pas pourquoi je l'ai pas mis. Parce que c'est quand même une 8-8, bon, on a que 15 secondes, mais on a qu'une carte à jouer, donc ça devrait aller. Donc voilà, vous avez vraiment compris la philosophie du deck. Vous utilisez les cartes les plus fortes possibles, et vous incrustez 2 contrôleurs mentaux, puisque eux vont nous permettre de voler des cartes à l'adversaire s'il commence un peu trop à s'étendre. J'ai été posé aussi une carte comme... jeu d'esprit, place une copie d'un serviteur aléatoire du jeu de votre adversaire sur le champ de bataille. Et vu qu'il a des créatures assez fortes, pouf, ça peut être intéressant. Là, nous avons Ren Blackhand, hein, je viens de l'avoir, donc j'ai pas hésité à la mettre. Il a quand même 8 d'attaque, et puis pourquoi pas, il peut comboter notamment avec Alexstrasza, qui est un dragon. Donc voilà, vous faites comme vous pouvez, vous mettez vos golems, vous mettez des chars de force max, Dr. Boom, chien du magma, champion du relevant, l'assassin. J'ai même mis un petit taunt aussi qui peut vraiment faire chier avec son bouclier divin, Maexna qui OS n'importe qui, et Kel'Thuzad, pourquoi pas, avec des combos intéressantes. Admettons, si vous avez 2-3 cartes sur le board, hop, vous posez Kel'Thuzad et vous faites vos échanges. Pouf, tout va repop derrière. Je pense que ça peut être une carte très très intéressante dans ce fight. Voilà, voilà, on a terminé pour la présentation du deck et on va passer immédiatement à la castagne. Allez, c'est parti pour notre ami Drakisat. Nous sommes sur le bon deck. Et puis là, bon bah voilà, hein, comme vous le savez, c'est la fameuse partie où toutes les cartes ne coûtent que 1. Donc là, on va essayer de se choper un contrôle mental, pourquoi pas. Il y a d'autres cartes qui peuvent être intéressantes. Hein. Je pense notamment à, Dr. Boom, je pense à... bon bah voilà, là il y a Dr. Boom et il y a contrôle mental, donc j'ai envie de dire... On va garder juste
Voilà, on va virer juste l'assassin. Et là, on est plutôt pas mal. J'ai envie de mettre Dr. Boom d'entrée de jeu. Vous savez, des fois, il peut partir carrément sur un Flame Strike. Donc, bon, on va essayer de voir ce qui va claquer. En tout cas, nous, ça nous fait directement 3 cartes sur le board. À savoir, Alexstrasza marche sur ce boss. Bon, c'est pas forcément ouf parce qu'il a beaucoup d'armure, mais c'est toujours bon de le savoir. Ah, par contre, il a Kel'Thuzad. Donc, vous savez quoi? On va essayer de lui voler Kel'Thuzad d'entrée de jeu. À part là, merci, hein, parce qu'il utilise une carte, il me vole Kel'Thuzad, et Kel'Thuzad, d'un coup, revient sur mon board. On fait un échange sans mourir en plus. Donc, c'est assez impeccable, en espérant donc qu'il ne me tue pas Kel'Thuzad. Bon, et ben voilà. Là, c'est l'exemple parfait du tour impeccable, puisque tout le monde revient sur le board. Grâce à mon ami Kel'Thuzad, donc le Flame Strike un petit peu inutile. Et en plus de ça, on a des bombes pour casser le shield. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc là, bon, ben, ma bombe ne le tuera pas. Donc le mieux, c'est d'envoyer carrément eh bien, notre Dr. Boom. Et puis là, pourquoi pas un petit bouclier divin. Quoique, vous savez, là par exemple, c'est pas forcément. Vous savez de quoi j'ai peur? J'ai peur simplement du néant distordu là. Vous savez, il joue des cartes un petit peu de plusieurs classes. Et il a le fameux néant. Du démoniste qui vide le board, qui détruit tous les serviteurs. Donc c'est vraiment, en gros voilà, c'est de la RNG quoi. Il faut tourner autour de ça. Là on voit qu'on a large le board. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bon bah on essaye de le tuer seulement à la bombe. Ou 4 par contre, là je pense que ma bombe ne le tuera pas. Donc on va y aller directement avec notre taunt. Et puis pourquoi pas poser un géant ou un géant, ça me semble bien. Donc oui, le but c'est vraiment de tourner autour de la RNG. Des fois il va piocher le néant distordu, il va vous le faire, il va clean votre board. Parce que là honnêtement, s'il l'avait, il l'aurait fait très vite, donc il ne l'a pas encore. Vous voyez le petit kidnapper là, la carte rogue qui me permet de me renvoyer une carte en main. Il faut réussir à tourner aussi autour de ça, puisque ça peut nous, quand on a un board très faible, ça peut nous le remettre dans la main. Donc c'est pas terrible du tout. Est-ce que la bombe ne le... Non, elle le tue pas, c'est pas grave. Donc là, vous voyez, on fait un clean vraiment des plus basiques. Mais comme je vous le dis, ouais, allez, hop, un chien de magma, ça tape fort. Comme je vous le dis, le but du jeu, c'est de tourner autour de ça, quoi. Si vous vous prenez un néant distordu, ben c'est pas grave, vous recommencez. C'est ben voilà, c'est une question de chance, tout simplement. Et là, on voit qu'on a un board qui est assez excellent. En plus, on récupère nos cartes bouclier divin lorsqu'elles meurent. Elles sont toutes neuves, donc ça, c'est assez parfait. Là, je pense qu'on va essayer, pourquoi pas, d'envoyer les bombes. Moi, je pense que là, il a que 5 PV. On va se tenter les bombes. Parce qu'en plus, il lui reste. Ah, s'il lui reste un PV, et voilà. Là, par contre, c'est moche. Donc, du coup, tant pis. C'est pas grave. On récupère notre carte derrière. Donc, c'est pas dramatique. On va jouer un jeu d'esprit, tiens. Ça peut être sympa. Et on lui vole un ninja camouflé. Dommage. Bon, c'est pas non plus une mauvaise carte, hein. Donc là, on a un board des plus. Non, non, là, je pense que s'il a pas de néant distordu, c'est complètement perdu. Vous voyez, il claque du sprint. Donc là, il est en train de récupérer des cartes en main. Mais comme vous le voyez, il est plus qu'à 20 PV. On a déjà le kill sur le board. Donc même s'il a chopé un néant distordu maintenant, c'est pas grave. Je pense qu'on peut face directement. Ah, par contre, lui qui tape comme un débile, c'est pas grave. On a toujours le kill. Et donc voilà, hein, en gros, c'est le combat. Excessivement rapide, hein. Ça va très très vite. Il suffit qu'il nous laisse poser nos cartes sur le board. Il suffit. Bon, là j'ai eu de la chance puisque il m'a piqué Kel'Thuzad que je lui ai revolé derrière. Donc sans Kel'Thuzad, ça aurait été moins simple. Mais en tout cas voilà, avec un petit peu de chance, un Kel'Thuzad bien placé, ça fait des dégâts. Allez, on se retrouve bientôt pour la dernière partie. Ciao ciao.